Nous sommes au grand marché d'Agamé, le plus grand du pays et l'un des plus grands de la sous-région. Il est toujours difficile ici de se frayer un passage. Avec les fêtes de fin d'année, l'affluence est encore plus grande. Agamé, c'est l'endroit idéal pour faire de bonnes affaires, pour acheter des jouets en cette période de fête. Bon, je suis venu me promener un peu avec les enfants pour payer les jouets. Bon, on a eu ce qu'on voulait. On a pris une voiture, poupée, une chose comme la moto. Les prix sont abordables et donc je repars satisfait. Parce que quand je venais, j'étais un peu inquiet. Je me suis dit que bon, peut-être qu'il y aura une flambée des prix. Et quand la fête est proche, les prix augmentent. Bon, cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Donc, je ne suis pas très satisfait. Je suis allé chercher des petits jouets pour offrir aux enfants du village. Les prix. Bon, je pense que ça va. Il y a tous les prix, ça va. Les clients sont satisfaits, les commerçants aussi. Pas les emballages avec les chapeaux de Noël. Bon, ça va, on ne se plaint pas. Les gens crient qu'ils n'ont pas l'argent, mais ça va. Actuellement, c'est les vélos, la période des vélos. Bon, on voit un peu de tout, les voiturettes, et un peu de tout. Tout ce qui peut ambiancer les enfants. Il n'y a pas trop d'engouement comme les années passées, mais tout de même, ça va un peu. Cap sur Yopougon, la plus grande commune du pays, Yopougon-Sikoji. Ici, les coiffeuses ont pignon sur rue. Pour les femmes, il faut se faire plus belle. C'est la fête, ça touche pas tout le monde. Vous faites belle, c'est pour qui? C'est pour mon mari, parce que c'est lui qui m'a donné l'envie de coiffer. Donc ça se passe bien? Non, c'est un peu compliqué, mais on fait comment? C'est compliqué quoi? C'est nos petites économies, sinon actuellement en pays là c'est compliqué, il n'y a pas l'argent. Sinon, ça, c'est nos petites économies. Comment on fait le commerce là? Est-ce qu'on a gardé là pour venir s'habiller? Sinon, il n'y a pas l'argent dans le pays là, c'est compliqué. Pascaline est coiffeuse. Pour elle, ce n'est pas encore la grande affluence. Et cette année là, c'est un peu lent. Parce que ça ne marche pas trop comme on le souhaitait. Bon, on attend, on espère que ça va aller. Non, c'est pas trop cher. Nous, on n'est pas trop cher. Avec 3 000, 3 500, ça passe. Donc, pas trop cher. Voilà, tout le monde peut venir se rendre belle. Donc, on attend un peu. Vers le 27, 28, jusqu'à 30, on va voir. Les restaurants populaires communément appelés maquis et les buvettes se préparent aussi pour faire face à l'affluence des fins d'année. À notre niveau ici, nous prenons des dispositions pour la fête au niveau de la sécurité, au niveau aussi du personnel du bar, renforcer le personnel de la sécurité, afin que la clientèle soit à l'aise et puis, bon, tout le monde se sent dans la fête ici. Au niveau de nos commandes, déjà avant la fête, même 2 jours avant la fête, nous avons des dispositions que nous prenons, afin que la boisson soit à notre niveau déjà. Pendant plus d'une décennie, le cœur n'était pas à la fête ici en raison de la crise sociopolitique et militaire. Aujourd'hui, avec la normalité en cours, les Ivoiriens n'entendent pas bouder leur plaisir. Georges Ibrahim Toukara, Abidjan, VOA Afrique.